Bonsoir à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir ou aujourd'hui, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo, pour les news de la semaine avec une nouveauté, un nouveau véhicule et une information concernant un contenu qui va arriver prochainement dans les semaines à venir. Je vais revenir dessus en début de cette vidéo. Donc aujourd'hui, en ce mercredi soir, on va parler de la semaine du jeudi 22 février jusqu'à jeudi prochain 29 février, vous allez donc tout savoir sur les activités, promotions et bonus de la semaine. Nous sommes partis, bonne vidéo à tous. Et on démarre la semaine avec la nouveauté qui sera un tout nouveau véhicule qui va sortir à partir de ce jeudi. Ce sera donc la D-Class Impaler SZ. Ensuite, et attention, il faut bien comprendre ce qui va suivre. Vous allez recevoir à partir de demain un appel de Vincent, qui est donc un ancien employé du Diamond Casino & Resort, et qui va prochainement vous proposer une mission de braquage liée au Clucking Bell pour une enquête autour et pour aider le LSPD. Et cette enquête ne sera pas accessible à partir de demain, puisque vous n'y aurez accès que dans les semaines à venir. Vous aurez donc un appel de Vincent demain, mais vous n'y aurez accès qu'à partir des semaines qui arriveront prochainement. Donc on ne sait pas encore quand exactement. Et donc cette mission vous permettra de débloquer le Clucking Bell Vapid, ainsi que la Bravado Interceptor, tout simplement. Passons maintenant aux véhicules en exposition cette semaine, et on va démarrer comme chaque semaine avec le salon de l'auto. Et cette semaine, vous aurez la possibilité de gagner à la course au prix la Ocelot Paria. Ensuite, on poursuit avec les véhicules qui seront disponibles à la piste d'essai du salon de l'auto cette semaine, avec, comme chaque semaine, trois nouveaux véhicules. Et cette semaine, ce sera donc la D-Class Vigero, la Inventero Coquette, ainsi que la Vapid Bullet. Voilà les trois véhicules à laisser cette semaine. Pour conclure avec le salon de l'auto, cette semaine, le véhicule qui sera en exposition concernant le garage HSW House Special Work sera tout simplement la D-Class Vigero ZX, non décapotable évidemment. On poursuit avec The Diamond Casino & Resort, où cette semaine, grâce à sa roue et son podium, vous aurez la possibilité de gagner le Ubermatch Rebla GTS. On continue avec la concession de Simeon, où cette semaine, comme chaque semaine, vous aurez 5 véhicules en exposition. Et cette semaine, vous aurez donc le Anis Helion, la Enus Paragon R, la Ubermatch Zion Classique, la Vapid Peyote Gasser, ainsi que la Visser Neo. Pour conclure avec les véhicules en exposition, on passe à la dernière concession Luxury Auto, où cette semaine vous aurez la Fatom FR36 en exposition, ainsi que la toute nouvelle D-Class Impaler SZ. On passe maintenant aux promotions, où cette semaine vous aurez 4 véhicules en promo à moins 30%. Vous aurez donc le Anis Helion, il y aura aussi la Enus Paragon R, ainsi que la Ubermatch Zion Classique, et pour terminer, la Vapid Peyote Gasser. Ces 4 véhicules seront à moins 30% cette semaine sur GT Online. Ensuite, sachez qu'au niveau du casino cette semaine, vous aurez moins 30% de réduction sur toutes les décorations que vous pouvez utiliser pour votre penthouse, et vous aurez accès à ces 30% de réduction évidemment dans le magasin où vous pourrez acheter toutes les décorations du casino. Conclure au niveau des promotions cette semaine, on va en avoir encore 2. Comme chaque semaine maintenant depuis quelques temps, concernant le Gun Van. Il y aura donc une réduction de moins 25% pour tous les joueurs pour le fusil lourd concernant le Gun Van cette semaine, donc celui-ci. Et aussi une réduction de moins 30%, mais cette fois-ci uniquement pour les membres GTA Plus, pour le fusil amélioré, donc celui-ci, et ce sera aussi évidemment dans le Gun Van. On passe maintenant aux activités, et rendez-vous dans En Ligne, Jouer Activité et Créé par Rockstar, et vous irez donc dans les missions, où cette semaine, les missions d'histoire du casino, donc les missions scénario, seront en double RP et double GTA dollar. Elles seront évidemment cumulables pour ceux qui ont l'abonnement GTA Plus, et si c'est logique, normalement vous passerez en quadruple RP et en quadruple GTA dollar pour les abonnés GTA Plus cette semaine. En double RP et double GTA dollar aussi cette semaine, il faudra faire les missions de contact de Madame Baker, donc pour cela, il faudra donc l'appeler via votre téléphone. Évidemment, si vous l'avez dans vos contacts, sinon il faudra aller la récupérer. Donc vous lui demandez un job, et ces jobs seront en double RP et double GTA dollar pour tous les joueurs sur GTA Online. Et il devrait être en quadruple RP et quadruple GTA dollar pour les abonnés GTA+. Si vous n'avez pas Madame Baker dans vos contacts, il faudra vous rendre dans le menu Interactions, Préférences et Contacts téléphoniques favoris, où vous aurez simplement à la sélectionner parmi la liste des contacts que vous pouvez enlever ou rajouter sur votre téléphone. Ensuite, toujours dans les activités, et cette fois-ci aussi créées par Rockstar, mais on va parler des activités en mode rivalité, vous aurez les activités
en mode rivalité qui se situe dans le Diamond Casino. Là, elles sont pas mises en place encore, mais elles le seront à partir de ce jeudi. Et ces activités, ah bah si, vous voyez, elles sont là. Et donc, ces activités seront triplées en GTA Dollar et RP cette semaine. On conclut donc cette vidéo avec les trois véhicules que vous pourrez obtenir suite au vol de la casse. On démarre avec la Bravado Buffalo EVX que vous pourrez avoir avec le vol du podium du casino. Vous aurez ensuite la D-Class Mamba avec le vol du cargo. Et pour conclure, vous aurez la Winnie EC Rally avec le vol du gangster. Voilà les breakers, c'est donc la fin de cette vidéo sur les news de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette nouvelle semaine en commentaire. Évidemment, je compte sur vous pour le max de soutien, les pouces, l'abonnement, évidemment, en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité de GTA Online, de Rockstar Games ou encore GTA 6 peut-être prochainement. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description, évidemment. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve probablement pour d'autres vidéos, pour les items ou les trucs comme ça. Ça arrivera probablement dans les jours qui viennent. Je suis en train encore un petit peu de m'organiser. J'ai pas mal de rendez-vous pour des choses et des projets. Donc voilà, de toute manière, je serai totalement opérationnel début mars. Mais voilà, je vais essayer de faire les vidéos que j'ai l'habitude de faire, comme les bonus GTA. Dans tous les cas, je vais faire de mon mieux. Merci à tous pour votre soutien encore une fois. Merci à tous pour vos nombreux messages de la semaine dernière. J'ai failli faire tomber mon téléphone, pardon. Et puis on se retrouve voilà, d'ici cette fin de semaine pour les bonus GTA, probablement soit demain ou vendredi au plus tard. Merci à tous et à très vite. Ciao.